Le tout-puissant Mazembe est dans sa tournée à l'est du pays, dans les cas de la phase retour de la Vodacom Ligue 1, pour jouer contre les équipes de cette partie du pays engagées dans la compétition. Après une difficile victoire 2-1 contre Bukavu Dawa dans la semaine, les corbeaux du tout-puissant Mazembe affrontent l'AS Nyuki ce dimanche 9 février au stade de l'Unité de Goma. Dans la conférence de presse d'avant-match, Porfil Miayou, le coach du tout-puissant Mazembe, actuel leader au classement provisoire, a tenu à préciser que ce match ne sera pas aussi facile qu'on peut l'imaginer au vu de sa dernière prestation contre Bukavu Dawa, pourtant lanterne rouge du classement. Il a rassuré que son équipe a fait une bonne préparation pour empocher le 3 points du match. Ça tourne bien, les équipes sont en train de bien se préparer et voilà, le niveau de notre championnat est en train de monter, ce qui est important. Ouais, c'est un club qui évolue bien. Bon, c'est à nous de bien nous préparer et de savoir comment est-ce qu'on va négocier ces matchs-là. Donc avec beaucoup de respect, comme toujours, il faut toujours respecter l'adversaire, il ne faut jamais minimiser. Donc nous savons que nous avons tout intérêt de faire mieux et d'arracher ces 3 points. Mais je sais que ça ne sera pas facile. On va travailler pour pouvoir arracher ces 3 points-là. Comme toujours, je vais mettre une bonne équipe pour pouvoir faire mieux, donc arracher le 3 points. C'est vrai, ça ne sera pas facile, comme je l'ai dit avant. Mais bon, c'est par le travail. Je vais demander à mes joueurs d'être sérieux et de mouiller le maillot du début jusqu'à la fin pour pouvoir arracher les 3 points. J'ai un effectif costaud, pratiquement une trentaine de joueurs